Salut tout le monde, c'est Gab Morrison en interview du sportif. Il y a Sanarib Malki avec nous, alors salut à toi. Salut. Alors pour commencer, tu peux te présenter. Bon, je m'appelle Malki Sanarib. Je suis né en Syrie et quand j'ai eu 6 ans, avec mes parents, on est parti en Belgique. Ça fait 25 ans que j'habite en Belgique et je suis footballeur professionnel. Et ça fait 11 ans que je suis footballeur professionnel. J'ai joué en Belgique. La plupart du temps, j'ai commencé là-bas. Après, je suis parti en Hollande. J'ai joué 2 années en Hollande. Et là, ça va faire ma 3e année que je suis en Turquie, à Istanbul. Ok, alors du coup, oui, en Turquie, le club est plutôt bien parti en championnat, le club de Kasımpaşa. Alors, est-ce que tu penses qu'à la fin de saison, le club sera capable de se qualifier en Europa League? Pour l'Europa League, je veux dire. Oui, c'est possible. Il y a 2 ans, on était très près de se qualifier pour les déplacements en Europe, mais on était à quelques points d'y arriver, quoi, mais on a raté. Et cette année, on a une bonne équipe. Défensivement, on est plus solide que l'année passée, alors tout est possible. Ouais, alors est-ce que tu penses que Kasımpaşa peut rivaliser avec des équipes comme Galatasaray ou Fenerbahçe? Ouais, c'est certain. On a joué contre Fenerbahçe il y a un mois, on a perdu 1-0 à domicile sur un corner. Le score logique, c'était un match nul, mais bon, c'est toujours comme ça quand tu comptes des grosses équipes. Et il y a 2 semaines, on a joué contre Beşiktaş. Et ils ont égalisé à la dernière minute, ils ont reçu un penalty. On aurait pu gagner en déplacement. Ça veut dire qu'on a les qualités pour. Mais c'est toute une question de régularité et prendre match par match. Prendre le plus de points possible. Ok, d'accord. Alors, la Syrie, pour l'instant, elle est première de son groupe pour la qualification de la Coupe d'Asie 2019. Alors, est-ce que tu penses que la Syrie peut se qualifier? Oui, on peut se qualifier. On va tout faire pour se qualifier. On a un important match la semaine qui vient, le 17 contre Singapour. Si on gagne là, ça veut dire qu'on aura beaucoup de possibilités de gagner. Car le match d'après, c'est contre le Cambodge. C'est la plus petite équipe du groupe. Normalement, on devra le gagner facilement. Mais en football, tu sais jamais. Il faut toujours être concentré et vigilant. Et par après, ce qui serait intéressant, de se qualifier pour le dernier tour, pour la qualification pour la Coupe du Monde. C'est ça qui serait encore plus beau. Ok, oui, justement, la Coupe du Monde, je vais y revenir après. Alors, est-ce que tu penses, si la Syrie se qualifie à la Coupe d'Asie 2019, est-ce que tu penses que le coach va te sélectionner? J'espère, hein. Faudra faire tout pour. Ouais, c'est sûr. Alors, sinon, aussi, oui, t'avais parlé de la Coupe du Monde. Alors, est-ce que tu penses que... Parce que vu qu'à la Coupe du Monde, l'équipe d'Asie, la 3e équipe d'Asie, c'est toujours une équipe un peu plus petite. Alors, est-ce que tu penses, justement, que la Syrie a sa chance pour se qualifier? Oui, on a des chances de se qualifier, on a des bons joueurs. Mais il y a un petit problème chez nous pour le moment, c'est que la majorité des joueurs ne jouent plus en Syrie. Le niveau du championnat, comme il y a la guerre, a diminué. Et les joueurs aussi pensent beaucoup plus aux problèmes. On n'est pas trop concentré sur le football, quoi. Et on essaie de faire avec les moyens du bord. Même quand tu joues pour nous, les matchs à domicile, on les joue à Oman. Et c'est vraiment difficile parce qu'il n'y a pas de public. Et quand on jouait en Syrie, le stade était toujours rempli. 30-40 000 personnes chaque match à domicile. C'est un peu un désavantage pour nous. Mais pour le moment, on est bien occupé. On a joué 5 matchs. On en a gagné 4. On a perdu contre le Japon. Je trouve qu'on doit continuer comme on est pour le moment. Et tout est possible. Ok, d'accord. Alors justement, oui, il y a en ce moment, malgré les événements du pays, est-ce qu'il y a toujours, il reste un peu de sport en Syrie, par exemple un championnat ou même d'autres sports, est-ce qu'il en reste un peu malgré les événements? Footballistique, il y a un championnat qui se joue à Damas. C'est bizarre. Il y a 2 groupes de 6, quoi, et tous jouent à Damas, quoi. C'est pas comme en Europe, quoi. Ils font avec les moyens du bord, avec les problèmes qu'il y a là-bas. C'est pour ça que un peu l'équipe nationale aussi est touchée à cause de cela.
Ah ouais. Alors sinon, toi t'as joué en Belgique, en Grèce, aux Pays-Bas et en Turquie en ce moment. Alors, de quel championnat tu gardes le meilleur souvenir? Ah, mon meilleur souvenir, c'était aux Pays-Bas. Car après, là, en Belgique, j'avais eu des belles années. Après, la dernière année, j'ai eu des difficultés. Et pour un footballeur, vous savez, quand on est dans le creux, c'est toujours le plus important, c'est de rebondir. Et j'ai eu la chance, après la Grèce, quoi, d'être parti en Hollande. Et là, j'ai marqué 45 buts en 2 saisons. C'était vraiment incroyable. Une incroyable saison pour moi, 2 saisons magnifiques. Oui, j'ai vu ton record de buts, justement. Il me semble que c'était 25 en une saison. Ouais. En 2012, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, 25. C'était ma première année en Hollande où j'essayais de sortir du trou et directement je marque 25 buts. Ah, ouais, ouais. C'est vraiment une grosse saison. C'est sûr que c'est un bon rebondissement. Alors, la dernière question, quels sont tes autres sports préférés? Mes autres sports préférés? Ouais, je regarde un peu tout en fait. Je regarde le tennis. Un peu le basket, mais c'est toujours le football quoi, qui m'intéresse le plus quoi. Ok, d'accord. Alors en tout cas merci à toi hein, Sanari, pour ta participation à cette interview. Pas de problème. Bonne chance pour toi et ton club évidemment en Turquie. Et donc j'en ai profité de sortir cette vidéo maintenant à cause des événements qui ont lieu il y a quelques jours, vous le savez tous. C'est une vidéo un peu pour vous donner de la force à toutes les gens qui ont connaissé des gens dans les victimes, et tous les Syriens qui ont rien demandé, tout le peuple syrien qui ont rien demandé, qui ont dû fuir leur pays, tout ça. C'est pour ça que j'ai interviewé un joueur syrien dans cet épisode. En tout cas, force à tout le monde. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel interview.